Tu vois, tu as le feu là, tu as vu? Tu as le feu pour évangéliser là. Ouais. Jesus. Oh, Jesus. Tu vois, vous avez le feu. Tu vois les deux jeunes filles là, tu vois? Regarde. Elles ont le feu. Elles ne peuvent plus s'asseoir normalement. Regardez-moi ça. Laissez-la. Laissez-la. Le feu. Dis à ton voisin le feu. T'as vu? Le feu. Le feu de Dieu. Regarde-moi ça. Oh, Jesus. Le réveil. Regarde, il y a comme une nuée ici. Oh. C'est beau ce que Dieu fait là. Ben oui. Elles vont évangéliser dans la rue. Elles vont marcher comme ça pour aller crier que Jésus revient. C'est le feu du réveil. Le feu du réveil. Regarde-moi ça. Le feu du réveil. Regarde-moi ça. Allez évangéliser partout. Elle reçoit la délivrance là. Elle reçoit la délivrance. Viens me voir. Tu as quel âge? 16 ans. Tu veux Jésus? Oui. Tu veux Jésus? Oui. Tu veux le baptême? Je sais pas. Tu sais pas encore? Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Elle va évangéliser là. Elle reçoit une délivrance là. La mort s'en va. Fini. Au nom de... Qui? Merci qui? Jésus. Oh, tu veux Jésus? Oui. Le baptême? Tu as un petit copain? Non. Tu veux marcher avec Jésus? Oui. Assieds-toi. Qui veut abandonner le péché? Levez les mains. Qui veut abandonner le péché? Ceux qui veulent abandonner le péché. Ah. C'est magnifique. Elle ne peut plus s'asseoir normal. Elle ne peut pas. Regarde. Ce n'est pas un jeu. Le feu du réveil. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Jesus Christ. Dieu te guérit. Dieu t'appelle. Il t'a choisi. Dieu l'aime. Dieu l'a mise à part depuis le ventre de sa mère. Elle va beaucoup prophétiser de la part du Seigneur. Elle va beaucoup nourrir les gens, les enfants. Le Seigneur t'a attiré ici pour te dire qu'il t'aime, qu'il te connaît. Il va te garder de tout danger. Fortifie-toi, prends courage. Il te donne Ésaïe 42 au nom de Jésus-Christ. Il va s'occuper de sa famille. Il va guérir ta famille. Il va sauver ta famille au nom de Jésus-Christ. Oh, jeune fille, ça va? Qu'est-ce que t'arrive là? Je sais pas. C'est le feu du réveil. C'est vrai, la gloire, c'est le feu. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans là? Je ne comprends pas. On peut la laisser, il faut la laisser. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? La gloire, c'est le feu. Ce feu-là consume toutes les maladies.
toutes les maladies. Les maladies. Quelqu'un est guéri du sida ici. Là. Tu ne verras plus ton sida. Dieu te donne une grâce, te fait grâce, une seconde vie pour que tu témoignes de sa grandeur. Une maladie qui ronge ta peau ici, dans cette rangée ici, quelqu'un, cette maladie touche ta peau, te fait gratter tout le temps là. Le Seigneur te guérit au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu ne verras plus cette maladie là, c'est fini. C'est fini. Waouh, Saint-Esprit, merci. Fini. Ça va mieux là. C'est fini tout ça. Le trouble là. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Il y a une femme stérile qui veut concevoir. Elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Lève ta main. Tu as demandé au Seigneur des enfants. Là. Le Seigneur, où c'est? Ah, c'est bon. Tu nous as reçus à Chartres. Hein? Vous pensez que c'est possible encore? Jesus, Fibron. Nous laissons cette bénédiction ici là pour toi. Nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Ça va? Tu es baptisé? Dieu, tu as chanté beaucoup pour le Seigneur. Mm-hmm. Waouh. Hémorroïdes derrière moi ici, là. Les hémorroïdes, quelqu'un souffre des hémorroïdes, là. Que le Seigneur est en train de guérir. Quelqu'un souffre de cette maladie, là, tout ça, là. Tu ne verras plus ces problèmes, là. C'est réglé. C'est réglé. Tu es baptisé? Non? Viens me voir. C'est la première fois que tu viens. Tu habites où? J'habite à Villejuif. À Villejuif? Tu es venu jusqu'ici? Oui. Comment tu sais qu'il y avait ce programme? Oui, c'est ma copine. C'est ta copine. Oh, tu n'es pas chrétienne? Si. Et tu n'es pas encore baptisée? Non. Pourquoi? Parce que je suis catholique. Parce que tu es catholique. Marie, est-ce qu'elle t'a déjà répondu, Marie? Tu parles à Marie parfois? Oui. Est-ce qu'elle te répond? Avant. Maintenant. Ok. Dis-moi, tu as de l'eau bénite chez toi? Oui, dans ma chambre. Dans ta chambre. Ok. Tu as des photos de Jésus? Non. D'accord. Et des photos de Marie? Non, non. Photos de saints? Non. D'accord. Et de l'encens? Non. D'accord. Chapelet? Oui. Et pourquoi tu es venu ici? Curiosité. Curiosité. Tu es mariée? Oui. Tu as des enfants? Oui. Tu es heureuse? Oui. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce que j'ai des hernies. Tu as une hernie? Tu veux être guérie? Oui. Pourquoi Marie ne t'a pas guérie? Je ne sais pas. Parce que Marie est enterrée. Jésus. Parce que ce n'est pas Jésus. Ah. Donc seul Jésus-Christ guérit? Oui. Oh! Vous voyez, Dieu me fait déplacer vers les gens comme ça. Tu crois que Jésus-Christ peut te guérir là? Il a tellement fait beaucoup de choses pour moi, ma foi, mais pour faire en 2000, je fais un témoignage à ma foi, mais pour faire m'envoyer un tir plus sec. À 3h du matin, je suis réveillée. Au moment qu'ils sont venus me chercher, il y a un esprit venu me réveiller, réveille-toi. Après, mon mari, il est resté au lit. Mon mari se battait. Après, moi, j'ai entendu les battements de mon mari. Je suis allée plus vite dans la chambre. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es fait... Lui m'a dit, heureusement, tu ne dormais pas. Ils sont venus te chercher un bras qui te cherchait, qui te fouillait. Après 2 semaines, ma tante, elle est morte. Elle a laissé un bébé de 6 mois. C'est toi qui devais mourir. Tu as vu comment Dieu t'a protégé? C'est moi qui devais mourir. Ben voilà. Et Jésus-Christ a dit, allez et baptisez-les. Donc, tu veux obéir à Jésus? Oui. Le baptême par immersion. Tu veux le baptême, là? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Jesus. Elle est guérie de son avenir. Elle est guérie. Fais ça. Ça va? C'est bon, tu ne vas pas mourir, t'inquiète pas. N'adore plus Marie, prie plus Marie, Jésus seulement. Jésus est seul. Et tu prends l'eau bénite quand tu vas rentrer, tu verses ça dans les toilettes. C'est bon? Oui. Dans une bouteille de Marie.
Ah ben, il faut casser tout ça. Ouais. D'accord. D'accord. Et c'est pas Marie qui t'a protégé, c'est Jésus qui t'a protégé. Christ qui te protège. Tu casses la bouteille là, tout ça, là. Chut, fini, dehors. Si tu veux de l'eau bénite, tu imposes ta main sur ton robinet, l'eau qui va sortir, elle sera bénie. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Hein? Je dois être baptisé. Tu veux être baptisé comme dans la Bible ou pas? Non, pas aujourd'hui. Comme tu veux.